الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطرف رقم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد طيب أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد واجعل فرجهم De quelle manière améliorer cette prière quotidienne pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, le chapitre 23, verset 1 et 2, il nous dit « Bismillahirrahmanirrahim » قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Bienheureux sont les croyants qui durant leur prière, pendant leur prière, quand ils accomplissent leur prière, ils l'accomplissent avec humilité. Et le terme choisi par Allah subhanahu wa ta'ala n'est autre que al-khushu' et qui est traduit dans notre langue par l'humilité. Chers frères, nous discutons depuis des semaines et des semaines de quelle manière améliorer cette prière. Et pour cela, nous avons essayé d'exposer et donner différentes réponses comment améliorer cette prière. Et nous avons pris étape par étape. Nous avons parlé de la maîtrise des membres. Nous avons parlé du décor de la prière en elle-même. Takbir Ahsan. Nous avons parlé d'essayer de comprendre la traduction de cette prière et suite à laquelle, alhamdoulilah, il y a eu partage de la traduction. Nous avons parlé du début de la prière, c'est-à-dire l'introduction de la prière. Nous avons parlé, la dernière fois, que cette prière a un lien, doit avoir un lien avec la mort. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous explique que bienheureux sont les croyants qui accomplissent leur prière avec humilité, Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 2, versets 45 et 46, nous explique qui sont les gens qui sont humbles. Il nous dit « Bismillahirrahmanirrahim »« Wasta'inu bis-sabri was-salah »« Wa innaha la kabiratun illa ala al-khashi'in »« Alladhina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa ilayhi raji'un » Et donc, chers frères, ce sont des étapes pour améliorer cette prière. Aujourd'hui, nous allons prendre encore une étape. De quelle manière rendre cette prière encore meilleure? Voyez-vous notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Rapporte la part du prophète en disant Allah subhanahu wa ta'ala, tout cela est symbolique, c'est pour nous expliquer. Parce qu'après il y aura des questions, on va dire, mais moi j'ai jamais vu, moi je ne le sens pas ça, d'accord? Tout cela est symbolique pour améliorer, c'est le langage divin. Et donc le sixième imam alayhi salam nous dit de la part du prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours envoie des anges pour récupérer toutes les prières que nous avons accomplies. Elles se présentent devant Allah subhanahu wa ta'ala.
Et parmi ces prières, Allah subhanahu wa ta'ala accepte quelques-unes de ces prières et renvoie quelques-unes de ces mêmes prières-là. En disant, je n'ai pas besoin de ce genre de prières, ramenez-les à celui qui les a accomplies. Et là, le sixième imam nous dit, quand les anges vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, ce sont des gens qui prient ensemble, sur les mêmes lignes, dans les mêmes mosquées. Pourquoi il y en a qui sont refusés et d'autres qui sont acceptés? Eh bien, le sixième imam dit, Allah subhanahu wa ta'ala va répondre en disant, ces prières que je n'accepte pas, sont des prières qui sont accomplies par des menteurs. Ce sont des prières qui sont accomplies par des hypocrites, des gens qui ont quelque chose sur leur langue et qui ont une autre chose dans leur cœur. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi sont-ils des menteurs? Vous mentez-vous pendant la prière? C'est le sixième imam qui dit. Il y a bien des gens qui sont des menteurs pendant leur prière. Et il y en a qui ne le sont pas. Ceux qui ne le sont pas, Allah subhanahu wa ta'ala volontiers va accepter leur prière. Mais les gens qui mentent durant leur prière. Et je n'ai même pas encore abordé, j'y pense. Voyez-vous, c'est pour vous maintenir droit avec moi. Concentré. Notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Voyez-vous, comme vous me dites que non, nous ne mentons pas dans notre prière. Eh bien, je vais vous poser une autre question. Notre prophète nous dit, Inna asraqa surraq man sariqa fi salati. Asraqa surraq. Le plus grand de voleurs, des brigands, voyous. Asraqa surraq. Celui qui est le plus grand voleur est celui qui vole dans sa prière. Vous volez? On ne parle pas de voler avec les ailes, hein? Hein? Voler, c'est-à-dire tricher, chipper à côté. Est-ce que vous voulez vous? Arnaquer. Tout le monde va dire non. Vous voulez? Le prophète a dit, Inna asraqa surraq man sariqa fi salati. Le plus grand voleur d'entre vous n'est autre que celui qui vole pendant, durant sa prière. De la même manière, le sixième imam est en train de nous dire, il y a bien des gens qui, durant leur prière, sont des menteurs. Comment expliquer cela? C'est pour améliorer notre prière qu'on nous explique avec ces termes-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ramenez ces prières à celui qui les a accomplies, car ce sont des gens qui accomplissent leur prière, or qu'ils sont en train de mentir. De quelle manière? Le sixième imam alayhi salam nous dit, parce que ces gens-là, durant leur prière, attestent au moins deux choses. Ils en accomplissent une, ils en prouvent une, et l'autre est délaissé de côté. Inch'Allah ta'ala, ce n'est pas notre cas. Mais ça a été toujours le débat partout. Et à moi de voir dans ma maison, si peut-être ici j'ai des raisons, on va dire, valables d'en parler, mais à la maison je ne suis pas sûr que ces raisons soient valables, ou ces alibis, ou ces excuses soient valables. Nous attestons dans notre prière au moins deux choses. Il y en a beaucoup. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est notre sixième imam qui nous l'indique. Nous lisons tous les jours, nous récitons tous les jours. Iyaka na'budu, ya Allah, nous adorons que toi. Que toi. Wa iyaka nasta'in. Et nous ne demandons de l'aide que de toi. Deux attestations au moins. Le sixième imam, alayhi salam, nous dit, la personne qui accomplit sa prière, au moins, prouve sa première attestation en accomplissant la prière. Iyaka na'budu, il prie. Allahu Akbar, subhanahu rabbi al-azim wa bihamdi, il se prosterne. Il accomplit la prière, quelque part, il accepte, il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, et bien tout ce qu'il est en train de dire, Iyaka na'budu, il est en train de le prouver. Il arrive parfois que ces mêmes gens qui attestent deux choses, par leur action prouvent une seule et la seconde n'est jamais prouvée. Wa iyyaka nasta'in. Nous demandons de l'aide auprès de toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là, quand ils accomplissent, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Ces gens-là, quand ils accomplissent la prière et après avoir fini la prière, ne demandent rien à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des gens qui attestent faussement. Ils mentent dans leur prière. Ils disent « Yaka na'bud wa yaka nasta'in ». Ils accomplissent la prière, « Al-ibada, c'est bon ». Al-isti'ana, demander de l'aide à Allah. Ce sont des gens, après avoir leur prière, ne demandent jamais rien à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'ils avaient déjà, on va dire, porté le mont Everest ou Himalaya ou toutes les chaînes montagneuses. Ils les portent comme ça. Je n'ai pas besoin de temps, ya Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bon, j'ai accompli la prière, c'est bon. De quoi nous parle-t-on là? Al-ta'dibat. Il m'arrive des fois d'accomplir la prière et je n'ai même pas le temps pour une minute, deux minutes, trois minutes, cinq minutes. Après avoir accompli cette prière, au moins dire à Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, j'ai pu accomplir cette prière, alhamdulillah, grâce à toi, c'est toi qui m'as donné la force. Eh bien, je m'assois, je me concentre, ya Allah, je te remercie, je te redemande, donne-moi encore une autre occasion de t'adorer. Vous vous souvenez de la dernière fois? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous avait dit sallu salata muwadda. Accomplissez votre prière de manière à ce que vous vous dites, ya Allah, c'est la dernière de ma vie. Et bien après la prière, si je ne demande rien à Allah subhanahu wa ta'ala, je suis un hypocrite dans mes attestations. Mais tout cela n'est pas facile à faire, n'est pas réalisable. Pourquoi? Parce que monsieur a du travail. C'est pas un problème, c'est bien le travail. Je dois aller travailler. J'ai d'autres, on va dire, occupations après ma prière. Et donc je minimise at-taqibat. Je laisse de côté tout ce que je dois accomplir après la prière. Voyez-vous de quelle manière notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Avant d'aller au taqibat. Voyez-vous le moindre des taqibs. Le mot taqib, les frères qui comprennent l'arabe, vient du mot aqab. Aqab veut dire wara. Derrière, ou pour mieux traduire, après. Voilà pourquoi toutes les oraisons, toutes les évocations ou invocations, les do'as qui nous ont été appris par nos imams, alayhimus salam, que nous devons accomplir après les prières, ça s'appelle taqibat. Les do'as qui doivent être récités ou lus après la prière ou derrière la prière. Voilà pourquoi notre prophète nous a dit « Man aqaba fi salati ka man kana fi salat ». Une première occasion on nous donne. Man aqaba fi salat, kaman kana fi salat. Celui qui récite ou qui dit ou qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose après sa prière, c'est comme s'il était encore en train d'accomplir sa prière. Vous prenez 5-10 minutes pour faire dhuhr asr. Si quelqu'un a l'habitude de réciter quelque chose après sa prière, le prophète nous dit que tu es en train d'accomplir le double de ce que tu as accompli. Pourquoi vais-je laisser passer cette occasion? Et quel est le moindre des taqibat? Le sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La moindre des taqibat, c'est-à-dire la récitation après la prière, n'est autre que les trois. Takbir Allah. Moi je dis, Yabda Rasul, heureusement que vous nous avez appris ça. Sinon même ça, et ça va m'arriver que même ça... Oh. C'est pas obligatoire. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ne fait pas partie de la prière. Inda salam, quand le salam arrive, c'est fini, la prière est finie. La salam dans la prière est la dernière obligation de la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est mustahab et cela fait partie des taqibat. Voyez-vous ce Allahu Akbar là? Pourquoi le sixième imam dit que vous êtes en train de mentir dans vos prières? C'est quand vous n'accomplissez pas un taqibat. Moi je dis, alhamdulillah, vous nous avez appris au moins ces trois choses-là. Quand nous accomplissons le takbir,
Voyons, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous présente le takbir de cette prière. Vous vous souvenez du verset qu'on a cité pendant deux vendredis? Bismillah, quelqu'un me parle de takbir. Non, tasbih al-zahra, surat al-kawthar, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du takbir? 17, 111. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا صاحبة سيدنا الدعاء قالوا مرسي قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا chapitre 17 verset 11. De quelle manière Allah subhanahu wa ta'ala nous présente le takbir? Lisez, récitez la traduction de ce verset qu'on a déjà faite ici. L'histoire nous relate que même un takbir, quand nous l'accomplissons durant notre prière, si j'ai la chance de comprendre cette petite phrase, et après nous allons venir au takbibat. Qu'est-ce que c'est Allahu Akbar? Au temps de notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Salih alayhi salam. Un de ses disciples est venu le voir en disant « Yabna Rasulillah, depuis des années et des années, j'accomplis la prière quotidienne, celle-là. Et quand j'essaie de comprendre cette prière, les gens me répondent à leur façon. Et la chose la plus mystérieuse que j'ai vue, quand je demande la traduction de « Allahu Akbar », le takbir, là, Allahu Akbar. Même là, les gens ne sont pas du même avis. Yabna Rasulallah, pouvez-vous me dire, vous, qu'est-ce que le Allahu Akbar? Ce takbir qui est inclus, qui fait partie intégrante de la prière, parce que sans elle, il n'y a pas de prière. Takbiratul Ihram. Le sixième imam lui a dit, qu'est-ce que les gens te disent à propos de Takbiratul Ihram? Yabna Rasulallah, les gens disent que Allahu Akbar veut dire en urdu Allah se sépara en français hein? Allah est grand ou encore une autre traduction Allah est le plus grand. Le sixième imam vous dit c'est ce que les gens disent, cette traduction elle est erronée, fausse. Merci. Si vous dites que Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand, vous êtes en train de comparer Allah subhanahu wa ta'ala à une autre chose, c'est-à-dire vous êtes en train de faire une comparaison relative pour Allah subhanahu wa ta'ala. La relativité d'Allah subhanahu wa ta'ala est absolue. Si vous commencez à dire Allahu Akbar, veut dire Allah est le plus grand. Le sixième imam nous dit, vous êtes en train de comparer Allah subhanahu wa ta'ala à quelque chose d'autre. Allah subhanahu wa ta'ala a une grandeur, c'est une grandeur qui est absolue. Et donc, Yabna Rasulillah, comment bien comprendre Takbiratul Ihram? Qu'est-ce que le sixième imam a répondu? Il nous a dit la traduction de Allahu Akbar, c'est Allahu Akbar min an Yusuf. Allahu Akbar min an Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala est indescriptible. On ne peut même pas le décrire. Il est encore plus grand que la description. Même la description n'est pas possible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a une telle grandeur qu'on ne peut pas décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi le sixième imam, en répondant à cette question, a dit, n'as-tu pas vu? Même Allah subhanahu wa ta'ala, même le langage coranique n'est pas capable de décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Yabna Rasulallah, le Coran n'est pas capable de décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est même dit oui, n'as-tu pas remarqué? Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a-t-il dit de commencer cette prière par Allahu Akbar? Car Allahu Akbar est une définition qui n'est pas complète. Et donc tout de suite après, il nous a ordonné, encore, tu dois faire des louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen.
louange à Dieu. Ces émirats nous disent, n'as-tu pas vu? Même après la lecture du Saint-Coran, après la lecture de Sourate Al-Fatiha, nous vous avons appris que même après cela, dis encore une fois, Allah wa akbar, ya Allah, j'ai essayé de le faire. Mais cela n'est pas suffisant. Allahu akbar min an yusaf. Il est encore plus grand que l'on ne le décrive. Sissi Mimam a dit, c'est pour ça qu'on t'a dit, n'as-tu pas noté pourquoi y a-t-il autant d'Allahu akbar dans cette prière quotidienne? Par à chaque pas, avec tes faits et gestes, nous te ferons ravivre en te disant Allahu Akbar min an Yusuf. Tu finis Takbiratul Ihram, tu finis Al-Qara, les deux chapitres, on te dit ce n'est pas encore suffisant, baisse-toi. Recours. Là aussi, fais les éloges. Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. C'est quoi la traduction que vous avez reçue avant trois semaines? Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdi. Hein? Louange à Dieu. C'est gloire, oui, après. Gloire à Dieu seul. À Dieu le grandiose. Al-Azim. Vous avez reçu cette traduction-là. Vous avez fini un recours. Sixième imam dit, n'as-tu pas noté? Tu viens de faire les louanges. Et on te dit encore, quand tu te lèves, Allahu Akbar. Ya Allah, j'ai essayé de le faire en position, genuflexion. Ce n'est pas suffisant. Encore une fois, je suis obligé de dire Allahu Akbar. Et il n'y a pas que cela. Ajoute encore. Cela fait partie des mustahabbat. Sami' Allahu liman hamida. Allah subhanahu wa ta'ala entend celui qui fait ses éloges. Mais ce n'est pas suffisant, ya Allah. Baisse-toi encore un peu plus. Encore un peu plus. Et là, présente ce qui est de plus précieux dans toi, c'est-à-dire ta tête, ton honneur, ton front. Pose-le. Là encore, les termes changent. Subhana Rabbi al-A'la. En haut, c'était Adim. Baisse-toi et dis encore mieux que Al-Adim al-A'la. Le plus haut. Tu te lèves. Encore Allah, ya Allah, c'est pas suffisant. Depuis les débuts, je suis en train de faire des éloges. Je ne peux pas te décrire. Tu es tellement bas, lève-toi, Allahu Akbar, encore je ne peux pas, repars. Allahu Akbar. Ya Allah, deux fois je suis allé au sajda pour faire tes éloges. Subhana Rabbi. Sixième imam dit, n'as-tu pas noté que même là, les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala ne seront pas suffisants. Voilà pourquoi nous t'avons appris. Dès que tu dépasses les deux raka'at, au troisième, encore! Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar! Encore! Allahu akbar. Ya Allah, c'est pas suffisant. Allahu akbar min an yusaf. Il est indescriptible. Tu finis la prière, tu fais les géniflexions, tu fais les sajda. Et à la fin, car ce n'est pas à ta portée de faire les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, moindre des choses, quand tu finis la prière, dis au moins Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, tu es plus grand qu'on ne te le décrive. Chers frères, une fois accompli cette prière avec cette pensée-là, pourquoi le sixième imam, le prophète a dit, ce takbir-là est la fenêtre et la vitrine de la prière. C'est quand je fais Allahu Akbar. Je ne peux pas te décrire, ya Allah. Je suis devant toi. Tout cela, c'est pour quoi faire? Pour améliorer notre prière. Le sixième imam nous dit, il y a des gens qui sont des menteurs durant leur prière. Ce sont des gens qui n'accomplissent pas un tarqibat après leur prière. C'est-à-dire, ils accomplissent la prière, il n'y a qu'un arbudo, c'est bon. Il n'y a qu'un astaïn, ils ne prennent même pas le temps de s'asseoir un petit peu, de demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, en disant, ya Allah, je suis un être faible, j'ai besoin de toi, aide-moi, mon iman, mon taqwa, ma foi, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toi, alhamdulillah wa ta'ala. Mais non, moi, parce que je suis pressé, je n'arrive pas à prendre cela en considération. Et vous vous souvenez, un de ces jours, dans nos discours, nous avons parlé
que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Nous avons dit, voulez-vous que je vous apprenne à doubler votre prière? Vous vous souvenez de ces narrations? Voulez-vous que je vous apprenne à accomplir une prière dans laquelle il y a deux rukous et quatre sajda? C'est possible ça? Vous faites-vous dans chaque rakat deux rukous et quatre sajda? C'est pas possible ça. Et pourtant le prophète nous enseigne, c'est moi qui vais vous enseigner une prière avec deux rukous et quatre sajda. Je vais vous apprendre à, pas moi, le prophète, je vais vous apprendre à doubler vos prières. Ya Rasulallah, que devons-nous faire? Et donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nous dit, quand tu accomplis ta prière, si pendant tes rukous, si pendant tes sajda, après avoir fait l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala, subhana rabbi al-azim wa bihamdi, et en bas, subhana rabbi al-a'la wa bihamdi, si après les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu envoies les salutations sur moi et ma progéniture, c'est-à-dire tu dis Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, chacune de tes actions va être décomptée double auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Et vous allez voir, même cette petite habitude-là, il y a des gens qui ne l'ont pas prise depuis la naissance, depuis qu'ils ont appris à prier. C'est pour ça que nous avons apporté, chers frères, la prière, le prophète a dit, As-salatu amudu din. Nous devons essayer d'améliorer cette prière. Tout ce qu'il y a qu'on manque dans ma prière quotidienne, à moi, au jour le jour, chaque semaine si vous voulez, essayer de ramener quelque chose de neuf, de nouveau dans ma prière quotidienne pour me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi le prophète a dit As-salatu mi'rajul mu'min? C'est grâce à cette prière-là que je vais monter en grade auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup de choses à parler à propos de As-salat. Mais je vais vous laisser en vous donnant un devoir à la maison. Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 29 du Saint-Coran, Sourate Al-Ankabut. Et le verset 45 nous parle de cette prière. À moi de voir et réfléchir de quelle manière amener, ramener ma prière quotidienne à ce niveau-là. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala de moi dans ma prière. Donc ça, inshallah wa ta'ala, la semaine prochaine. هذا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر